J'espère que je me suis pas fait rouler. Bravo. Bizarre. Machine à cloner activée. Manuel utilisateur à disposition dans armoire principale. Bon, alors, précaution d'emploi, installation, c'est fait. Voilà, comment cloner. Pour faire le clone, prendre échantillon de le sujet à cloner. Ok, un échantillon. T'es vraiment pas doué à ce jeu. Regarde l'artiste. Ouais, tu parles. En attendant, c'est moi qui mène. Bon, d'accord, t'as gagné. Ouais, c'est ça, profitez-en les minables, rigolez. Tu me dois 15 tours de vaisselle et 3 séances de repassage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Il faudrait voir à te réveiller, vieux. T'as failli boire dans mon bol, je te signale. Oh là, j'ai pas fait exprès. Excuse-moi, vieux, désolé. Bah, rien de grave. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai un pingouin sur l'épaule. Tu bois pas ton café? D'accord, t'as pas digéré ta raclée aux poules. Tu veux ta revanche? Eh ben, je te la donne. Alors, tu viens? Doc! Opération clonée, 3h12. Eh bon, c'est parti, j'ai plus qu'à kidnapper l'original. Et adieu les pauvres minables. Pas moyen d'avoir 5 minutes tranquille. Oui, qu'est-ce que c'est? Secours! Je suis tombée! Je n'arrive plus à me relever! Envoyez-moi ce gentil policier! Le shérif Curtis, je vous en supplie! Voici mes coordonnées! Oui, madame, pas de problème, j'arrive! Bon, on fait une pause! Oh, c'est pas plus mal, je commençais à fatiguer! Je récapitule. 1. Le minable arrive. 2. Je me débrouille pour l'attirer dans la cabine. 3. Je l'endors. Oh, ce plan est machiavélique. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça? À se demander s'ils font pipi l'un sur l'autre. T'es sûr que c'est les bonnes coordonnées? Bien sûr que je suis sûr. Ouais, bah t'es tombé sur un plaisantin. J'aime pas qu'on se paie ma poire. Rusque. 2h37 minutes et 33 secondes avant de compléter opération. Quoi encore? Oh là. Eh, on peut savoir ce qui se passe? Ah, ouais. Et ça y est, je savais bien qu'un jour je finirais par avoir des admiratrices, et c'est aujourd'hui. Oh vieux, je te dis pas. Je suis là, je viens, belle inconnue. J'en ai jusque-là des fausses... Je vous ai vu l'autre jour chez le kinésithérapeute. Tiens, c'est marrant, parce que j'y vais jamais. Mignonne. Je ne suis pas mignonne. Moi, je suis juste ta première admiratrice, parce que bientôt, tu vas en avoir des milliers d'admiratrices, et des bien plus belles que moi. Des voûtes et des blondes atomiques.
redécrocher. Je suis sûre que c'est pour toi. C'est encore une fausse alerte. C'est une rivale. Non, il n'y a que toi qui compte. Oui, tu vas décrocher, oui, espèce d'abruti. Je t'en supplie, fais-le pour moi. C'est bon, ça va. Alors oui, c'est qui? Oh, ça dans le nez, faites pour être minable. Hey, mais attends, c'est pas possible, c'est notre histoire là, ça peut pas finir comme ça. Clonage complété. Alors, bien dormi? C'est pas vrai? Bob lui-même. Qu'est-ce que t'as fait de mon admiratrice? D'accord. Bon, ça fait rien, laisse tomber. Regarde un peu ce que je t'ai bricolé. Un frère jumeau. Salut, frangin. C'est un clone tellement bien fait que même ton gros minable de collègue il va y croire. Il va mettre une de ses pagailles dans votre belle équipe. Ouais, la grosse pagaille. Doug, il marchera jamais. Non mais tu dérailles. Il a même pas de chapeau, ton clone. Oh, elle est belle, la sécurité du cosmos. Yeah. Salut, vieux. Comment ça va? Eh, dis donc, toi, c'est à cette heure-là que tu rentres. Pendant que monsieur traîne je ne sais où, moi je fais la cuisine pour des prunes. Mon soufflé, c'est une crêpe. Curtis, je sors faire ma ronde. Méfie-toi de ton scooter, je crois qu'il a besoin d'être révisé. Regarde où tu mets les pieds, t'as failli me faire mal. Ça va pas, Doug, en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais ça va pas. Ça va pas, là. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Maintenant, c'est l'éolienne qui m'explose à la tête. Il est plus tout jeune et passé un certain âge. Et si c'est de moi que vous parlez, vous allez voir de quoi il est capable, le vieillard. Où elle est, cette éolienne? Je sais pas, je le trouve stressé. Je crois que tu as raison, Curtis. Il a l'air surmené. Tu as bien fait de me prévenir. Je vais le surveiller. On est bien quand on est sous la douche. Ici Curtis. Très drôle, mais c'est moi, Curtis. Qui c'est qui a appelé? Ta mère. Je lui ai dit que tu voulais pas lui parler. Hé, hey, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, excuse-moi, mais vous êtes toujours en train de vous prendre la tête au téléphone, alors. C'est affûté, celui-là. Cette fois, j'en ai assez. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Et en te faisant rien de la journée en plus, tu passes ton temps à jouer ou à rester figé devant la télé. Ouais, ben toi, tu ferais mieux d'aller prendre un bain parce que c'est pas pour dire, mais ça sent pas la rose là-dedans. Alors là, c'est fini. Notre collaboration est terminée. On joue le saloon au poker. Le perdant dégage. Sûrement pas. Pas au poker. J'ai soif. Oh, tiens! Et ferme-la! C'est quoi? C'est à base de cactus. C'est plein de bons protozoaires! Prodige de la science. Qui aurait imaginé qu'une brebis du nom de Dolly ferait un jour les gros titres de l'actualité? Prêt? Prêt?
J'adore cet excellent. T'as perdu. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, c'est un clown. Un clown? Pas évident. Le 2, t'es en état d'arrestation. Oh, je suis découvert. Ouah, je suis épaté. Et comment t'as fait? Et parce que c'est vrai que c'était pas évident à deviner cette affaire. Bah, c'est qu'il a quand même fait la vaisselle sans que je lui dise. 2, 1, 0, clonage complété. Tu vois, Doug, patrouiller tranquillement comme ça, ça frise le bonheur absolu. Vous êtes pris en flagrant excès de vitesse. Rangez-vous sur le côté et arrêtez le moteur. Vous m'avez drôlement bien eu, les minables. Je m'énerve, je vais tout casser. Bob? Dis donc, Cereal Bob. T'aurais pas pris quelques kilos, toi, ces derniers temps? À l'aise! T'as de minables.